Le texte choisi pour la prédication aujourd'hui se trouve dans le prophète âgé que nous trouvons à la page 930. Si vous avez la même édition de la Bible que moi, la page 930. L'un des prophètes de l'Ancien Testament qu'on appelle un petit prophète parce que son écrit n'est pas très long, n'est peut-être pas très connu non plus. Alors nous allons. Nous pencher sur euh, le message du prophète âgé aujourd'hui et au cours des prochains dimanches. Donc, euh, nous euh, délaissons pour un instant l'évangile de Jean, que euh, nous y reviendrons plus tard. Donc, le texte pour aujourd'hui est le premier chapitre du prophète âgé. Écoutons la bonne parole de notre Dieu. la deuxième année du roi Darius, le sixième mois, le premier jour du mois, la parole de l'Éternel fut adressée par l'intermédiaire du prophète âgé à Zorobabel, fils de Shealziel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Yotsadak, le souverain sacrificateur, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps où la maison de l'Éternel doit être rebâtie. Alors la parole de l'Éternel leur fut adressée par l'intermédiaire du prophète âgé en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est en ruine? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Réfléchissez à votre conduite. Vous avez beaucoup semé et vous rapportez peu. Vous mangez sans être rassasié. Vous buvez mais pas à votre sou. Vous êtes vêtu sans avoir chaud. Le salarié reçoit son salaire dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Réfléchissez à votre conduite. Montez sur la montagne. Apportez du bois et bâtissez la maison. J'y prendrai plaisir et je la glorifierai, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici que vous avez eu peu. Vous l'avez rapporté à la maison, mais j'ai soufflé dessus. À cause de quoi, oracle de l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est en ruine? tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi le ciel vous a retenu la rosée et la terre a retenu ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le vin nouveau, sur l'huile, sur ce que produit le sol, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail des mains. Zorobabel, fils de Shaltiel, Josué, fils de Yotsadak, le souverain sacrificateur et tout le reste du peuple, obéirent à la voix de l'Éternel, leur Dieu, d'après les paroles du prophète âgé, selon la mission que lui avait donnée l'Éternel, leur Dieu. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Âgé, messager de l'Éternel, dit au peuple, Conformément au message de l'Éternel, moi, je suis avec vous, oracle de l'Éternel. L'Éternel éveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Chaltiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Yotzadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent se mettre à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu le 24e jour du sixième mois, la deuxième année du roi Darius. C'est ainsi que parle l'Éternel des armées. Prions, notre Dieu. Père céleste Dieu très bon, nous t'en prions que cette parole que nous venons d'entendre puisse pénétrer dans nos cœurs. Que nous ayons devant toi la crainte de l'Éternel, que nous soyons saisis de ta présence, de ta sainte majesté, mais aussi de ton appel et de notre vocation que tu nous adresses d'être des bâtisseurs de ton Église. Seigneur notre Dieu, nous t'en prions, instruis-nous, éveille notre esprit à l'œuvre de ta grâce dans nos vies et à ce grand projet de construction. Que tu as pour ton Église, nous t'en prions en Jésus-Christ. Amen. Peuple bien-aimé de Dieu, avez-vous le désir de servir Dieu? Êtes-vous enthousiaste et passionné à travailler pour le Seigneur? Êtes-vous des bâtisseurs? qui veulent construire, continuer de construire l'Église de Jésus-Christ. Le Seigneur bâtit son Église. C'est Lui qui fait cette œuvre. C'est son œuvre du début à la fin. Il est l'architecte et il est le maître constructeur. Et il nous fait, dans Sa grâce, Il nous fait participer à Son grand projet de construction. Il veut faire de nous des bâtisseurs avec lui, sous sa direction. Et pour cela, il nous anime d'un élan nouveau pour construire sa maison à sa gloire et pour le bien de son Église. Le texte d'aujourd'hui dans le prophète âgé nous apprend que Dieu éveille l'esprit de son peuple pour qu'il se mette à construire sa maison. Bâtissez sa maison. Bâtissez ma maison, dit l'Éternel. De quelle manière Dieu s'y prend-il pour motiver son peuple, pour éveiller son peuple? Il le fait de trois façons. Premièrement, par une réprimande. Deuxièmement, par un commandement. Et troisièmement, par un encouragement. Tout d'abord, Dieu éveille l'esprit de son peuple par une réprimande. Quelle réprimande le Seigneur fait-il? La maison de Dieu à cette époque est en ruine. Le Temple de Jérusalem n'est pas encore reconstruit. Pire encore, les membres de son peuple en Israël vivent dans de belles maisons pendant que la maison de Dieu est en ruine. La réprimande est adressée aux dirigeants d'Israël, mais aussi à tout le peuple de l'Alliance. Le contexte est important. En l'an 586 avant Jésus-Christ, Jérusalem a été prise par l'armée des Babyloniens. La ville a été détruite, le temple a été démoli, et le peuple de Dieu dans une grande partie a été amené loin en exil à Babylone. Le jugement de Dieu est tombé sur son peuple idolâtre et désobéissant. Et 50 ans plus tard, les Perses ont conquis les Babyloniens. Et Dieu s'est servi de Cyrus, le roi des Perses, qui a été poussé par l'Esprit de Dieu à ordonner, à décréter la reconstruction en Israël et la reconstruction du temple en particulier. Plusieurs milliers d'Israélites sont retournés dans leur pays et se sont retroussés les manches. Ils se sont mis à rebâtir le temple tel que Dieu l'avait ordonné. Ils ont commencé par l'autel des sacrifices pour pouvoir offrir des sacrifices. Ensuite, ils ont posé les fondements du temple. Et ils étaient tout enthousiastes. Ils étaient zélés pour cette œuvre de reconstruction. Ésaïe 3:11 nous dit que tout le peuple fit retentir une grande clameur en louant l'Éternel, parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. On avait vraiment à cœur ce grand projet. Et puis, comme il arrive souvent avec de grands projets, les problèmes ont commencé. Des adversaires sont venus les intimider. On s'est opposé à leur travail. Et le découragement s'est installé. Et donc, Finalement, les travaux se sont malheureusement arrêtés. Le chantier a été abandonné pendant 16 ans. C'est à ce moment-là que le prophète âgé, poussé par l'Esprit de Dieu, entre en scène. Nous lisons au verset 1, la deuxième année du roi Darius, c'est-à-dire le roi des Perses, vers l'an 520 avant Jésus-Christ, le sixième mois, le premier jour du mois. La parole de l'Éternel fut adressée par l'intermédiaire du prophète âgé à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Yotzadak, le souverain sacrificateur. Le premier jour du mois, c'était la nouvelle lune, c'est-à-dire un jour de fête normalement, où l'on offrait des sacrifices sur l'autel, des sacrifices pour l'expiation, des sacrifices de reconnaissance également. D'ailleurs, le nom du prophète âgé, le mot âgé signifie festif ou encore être né un jour de fête. Eh bien, c'est un jour de fête, justement, qu'il est allé pour proclamer son premier message. Sauf que son message n'était pas très, très festif au départ. Verset 2. Ainsi par l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps où la maison de l'Éternel doit être bâtie. Ce n'est pas le moment encore. Dieu adresse un reproche à son peuple et à ses dirigeants précisément sur ce point. Son temple n'est pas encore reconstruit. Le temple était le symbole de la présence de Dieu au milieu d'eux. Les sacrifices au temple étaient une image de l'évangile à venir. Une image de l'agneau qui allait la tête sacrifiée sur la croix, le sang versé annonçait la réconciliation entre Dieu et son peuple. C'était un ministère grand et glorieux qui permettait à Israël de vivre en paix, réconcilié avec son Dieu, dans l'espérance du Messie à venir qui allait pleinement accomplir la réconciliation par son sacrifice. Mais Dieu vient ici faire des sacrifices à son peuple. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps où la maison de l'Éternel doit être bâtie. Vous avez remarqué, Dieu ici ne les appelle pas mon peuple. Il dit, ce peuple, il se distingue dans cette réprimande. Et pourtant, c'est bien son peuple. Ce peuple trouve des prétextes. Ce n'est pas le bon moment pour construire. Il y a des ennemis, la situation politique est instable. Les temps sont durs, voyez-vous, l'économie est difficile, la sécheresse, les mauvaises récoltes, l'inflation, euh, ce n'est pas propice. Construire un temple est une bien trop grande entreprise pour l'instant. Et puis nous sommes occupés à autre chose, nous avons d'autres priorités. Il faut d'abord nous occuper de nos propres maisons, n'est-ce pas? Il faut réparer, reconstruire nos maisons. Ces gens n'étaient pas contre le projet de reconstruire le temple. Mais pas maintenant. Plus tard, ils étaient tellement occupés, préoccupés par leurs propres affaires, qu'il fallait remettre à plus tard l'œuvre de Dieu. Eh bien alors, c'est le temps pour Dieu de la réprimande. Versets 3 et 4. La parole de l'Éternel leur fut adressée par l'intermédiaire du prophète Agi en ces mots. Est-ce le temps pour vous, voyez le, le, le mot temps qui est sur lequel on insiste, est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est en ruine? Voilà le reproche. Le chantier de la maison de Dieu était inactif depuis 16 ans, mais eux vivaient dans de belles maisons, avec de belles boiseries, de belles décorations. Ils ont investi beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et d'argent sur leur maison, tandis que la maison du Seigneur était en ruine. Réfléchissez à votre conduite, dit le Seigneur, réfléchissez. Dieu, dans sa colère, leur envoya son jugement pour les faire réfléchir. Ça aide parfois à faire réfléchir, n'est-ce pas? Faire réfléchir aux conséquences de nos choix. Verset 6. Vous avez beaucoup semé et vous rapportez peu. Vous mangez sans être rassasié. Vous buvez mais pas à votre sou. Vous êtes vêtu sans avoir chaud. Le salarié reçoit son salaire dans un sac percé. L'argent s'écoule rapidement. Le jugement correspond à leur péché en quelque sorte. Vous pensiez éviter la pauvreté en commençant par vos maisons. Eh bien, c'est justement la pauvreté qui vous attend, que vous récoltez, parce que vous avez négligé la maison de l'Éternel. Et Dieu répète au verset 7, réfléchissez à votre conduite. Verset 9, vous comptiez sur beaucoup et voici que vous avez eu peu. Vous l'aviez rapporté à la maison, c'est-à-dire à votre maison, mais j'ai soufflé dessus. Ils étaient très sensibles, voyez-vous, aux pertes qu'ils qu subissaient, leurs pertes personnelles. Ils étaient moins sensibles à l'état de la maison de Dieu et au fait que Dieu n'était pas content de la chose. Et s'ils subissaient des pertes, c'était justement parce que Dieu n'était pas content de la chose, de négliger sa propre maison. Alors Dieu a pris la peine de leur expliquer, réfléchissez. Dieu n'a pas envoyé des ennemis pour les détruire, encore des Babyloniens, par exemple, ou d'autres, ou pour les amener en exil encore une fois. Il a retenu quelque peu sa colère. Il leur a quand même envoyé des malédictions, les malédictions de l'Alliance, comme on les voit en Deutéronome 28. La sécheresse, de pauvres récoltes, des troupeaux amaigris, la déception d'un dur travail qui rapporte peu pour faire réfléchir. Verset 9. À cause de quoi? À cause de quoi tout ça, toutes ces difficultés? À cause de ma maison qui est en ruine, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est très clair le message. Est-ce une mauvaise chose d'avoir une belle maison? Non, pas du tout. C'est bien correct de s'occuper de sa maison, de s'occuper de ses affaires. Nous sommes les gérants de Dieu, les gérants des biens qu'il nous confie. Nous avons besoin d'un toit, nous avons besoin d'une maison, pourvu que ce soit dans le but de servir notre Dieu à son service, pour sa maison à lui, et non pas pour nos ambitions personnelles, pour notre propre réussite. C'est une question de priorité, voyez-vous. Où sont? vos priorités? Où mettez-vous votre enthousiasme et vos énergies? Où pensez-vous trouver les bénédictions de l'Alliance à travers vos propres ambitions, votre propre travail pour vous-même, pour vos intérêts personnels ou à travers le travail de l'Église pour le bien, l'avancement, la construction? De sa maison. Dieu éveilla, Dieu éveilla, c'est magnifique dans ce texte, hein? c'est l'œuvre de Dieu qui éveilla l'esprit de son peuple à travers la parole du prophète âgé pour qu'il se remette à construire. Il a commencé par une réprimande, un appel à la conscience, réfléchissez à votre conduite et eh bien que Dieu vienne aussi éveiller notre esprit pour que nous soyons que nous puissions continuer d'être des bâtisseurs réfléchissons à notre conduite évaluons nos priorités pour voir si elles sont dans le bon ordre acceptons les réprimandes du Seigneur la Bible n'est pas toujours seulement de belles paroles de consolation oui il y a beaucoup de consolation mais il y a aussi des réprimandes quelles sont nos excuses pour ne pas faire le travail de Dieu et pour remettre à plus tard? Ah, c'est difficile de parler de l'Évangile aujourd'hui. Ah, je suis trop occupé. Ah, mes affaires passent en premier. Ah, il y a plein d'activités pour... Euh, voilà. Nous connaissons nos, nos excuses, nos prétextes. Nous sommes très bons pour en trouver des prétextes. Pourtant, le Seigneur nous a confié un travail, un grand et beau travail bâtir son Église, travailler à son royaume, c'est-à-dire d'abord l'adorer fidèlement, comme nous venons le faire ce matin nous mettre à l'écoute de sa parole, premièrement, puisque c'est sa parole qui va nous éveiller à devenir des bâtisseurs et ensuite nous aider les uns les autres. Nous aimer les uns les autres, prendre soin les uns des autres dans son Église, ça fait partie de la construction. Préparer nos jeunes, nos enfants, nos jeunes à vivre comme des citoyens du royaume. Les former comme des disciples du Seigneur pour qu'ils prennent part au travail de son Église, qu'ils voient en nous des modèles à suivre également. Former des hommes qui deviendront des serviteurs dans l'Église, des pasteurs, des missionnaires, des anciens, des diacres. Annoncer l'Évangile aux autres en priant pour des, pour des conversions et intégrer les nouvelles personnes dans son Église. Il y a beaucoup de travail dans la moisson de Dieu. Ne remettons pas ce travail à plus tard. C'est le temps maintenant de bâtir, de continuer de construire. Continuant de bâtir sa maison. Voilà donc pour la parole de réprimande. Maintenant, deuxièmement, Dieu éveille l'esprit de son peuple par un commandement. Et ce commandement est bien simple. Nous le voyons au verset 8. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'y prendrai plaisir et je la glorifierai. Dieu appelle à la réflexion, oui, il appelle aussi à l'action. On n'est pas là juste pour réfléchir tout le temps. Peu importe le contexte politique, peu importe la situation économique, peu importe les circonstances personnelles, Dieu veut une obéissance active. Et bien sûr, selon nos circonstances personnelles, il y aura des manières différentes de servir Dieu. Mais Dieu veut une obéissance active de son peuple et de ses enfants. Le peuple disait, le temps n'est pas venu. Dieu leur dit, c'est le temps maintenant. Allez-y, bâtissez. Ça demande des efforts. Monter sur la montagne, couper du bois, la porter sur le chantier de construction, construire le temple à Jérusalem. C'est du travail, oui. Ça demande planification. Ça demande transpiration. On ne pouvait pas rester là à se bercer. Construire l'Église aujourd'hui, c'est très différent de l'époque d'Ager, mais ça demande encore des efforts. Adorer Dieu, écouter sa parole, s'entraider, s'exhorter mutuellement, préparer nos jeunes, les former, annoncer l'évangile aux autres, in intégrer les nouvelles personnes à notre Église, c'est du travail. Ça exige planification et transpiration. Il faut se lever et s'activer. Pour construire, on a besoin d'un plan. On a besoin d'outils, des matériaux, de la précision et des efforts, du travail, incluant du temps, des talents et des ressources financières. Quelle part prenez-vous au travail du Seigneur Dieu dans la construction de sa maison? Chacun a une place différente, distincte les uns des autres, mais tous nous avons une part à jouer. Avec le commandement, Dieu donne aussi la joie, remarquez bien, c'est très important. Il assaisonne son commandement d'une joie savoureuse. Bâtissez la maison, j'y prendrai plaisir et je la glorifierai. N'est-ce pas très beau? On peut aussi traduire j'y prendrai plaisir et je serai glorifié. Dieu prend plaisir dans la construction de sa maison. C'est sa maison à lui. Il y trouve sa gloire. Et si Dieu y prend plaisir, eh bien, nous aussi, nous y prendrons plaisir. Nous trouverons une grande joie, une grande satisfaction à construire sa maison. On est satisfait quand on, on rénove sa propre maison, n'est-ce pas? Quand on fait des travaux et c'est bien fait. Eh bien, la satisfaction sera encore beaucoup plus grande à construire la maison de Dieu. Ça ne sera pas une corvée. C'est du travail, des efforts, mais pas une corvée dans le sens négatif. C'est une joie. C'est même un sujet de gloire. Quelle folie pour Israël d'avoir négligé la maison de l'Éternel. Mais Dieu ne va plus s'en souvenir dans sa grâce. Il va passer l'éponge. S'il se remet au travail, il prendra plaisir dans le travail de leurs mains. Comme c'est beau, comme c'est beau. Quelle fut la réponse à ce commandement? L'obéissance, tout simplement. Voyez l'obéissance active des dirigeants et de tout le peuple. Au verset 12, Zorobabel fils de Shealtiel, Josué fils de Yotsadak, le souverain sacrificateur et tout le reste du peuple obéirent à la voix de l'Éternel leur Dieu, d'après les paroles du prophète âgé, selon la mission que lui avait donnée l'Éternel leur Dieu, et le peuple Fut saisi de crainte devant l'Éternel. Pourquoi ils obéirent? Parce qu'ils furent saisis de crainte devant l'Éternel. Ils ont bien reçu la parole de Dieu. Quelle joie quand la parole de Dieu est bien accueillie! La réprimande et le commandement ont commencé à éveiller leur esprit. Auparavant, ils étaient paresseux, indifférents, apathiques. Maintenant, ils sont saisis de crainte devant l'Éternel, une crainte saine et bonne. L'enthousiasme à construire la maison de Dieu commence par la crainte de l'Éternel. La passion et l'énergie à travailler pour le Seigneur commencent par la crainte de l'Éternel. Ils ont réfléchi à leur conduite ils ont compris que c'est Dieu qui les affligeait de son jugement. Ils ont entendu son commandement et maintenant ils sont bien éveillés. On dit aujourd'hui ils sont allumés. Quand la parole de Dieu vient évaluer et critiquer nos vies, la crainte de l'Éternel s'empare-t-elle de nous? Quand nous réfléchissons à notre conduite, comment rester indifférent à ses commandements? Dieu nous dit de vivre pour lui, il nous dit de vivre les uns pour les autres, et nous demande de participer à la construction de l'Église et d'annoncer l'Évangile. Est-ce que ça ne vient pas nous allumer? Que nos esprits soient éveillés, éveillés pour le travail de Dieu. Soyons des bâtisseurs avec lui, sous sa conduite, sous sa gouverne. Continuons de construire son Église avec enthousiasme. C'est lui. Qui nous le commande. Troisièmement, Dieu éveille l'esprit de son peuple par un encouragement. Un encouragement. Agé n'a pas terminé son premier message. Il lui reste une parole d'encouragement et c'est très important les paroles d'encouragement, vous savez. Ça prend la réprimande parfois, ça prend le commandement, ça prend vraiment l'encouragement aussi. L'encouragement est essentiel dans nos vies. Verset 13. Agé, messager de l'Éternel, dit au peuple, conformément au message de l'Éternel, Moi, je suis avec vous, oracle de l'Éternel. Moi, je suis avec vous, oracle de l'Éternel. Voilà la parole d'encouragement. Encore une parole toute simple, facile à comprendre. Une parole pour nous aussi dans notre propre situation. Je suis avec vous, c'est le fameux Emmanuel, Dieu avec nous, qui traverse toute la Bible, toute l'histoire du peuple de Dieu. La parole de réprimande du Seigneur les a saisis, la parole de commandement du Seigneur les a fait trembler, la parole d'encouragement les a réconfortés, encouragés, consolés. On ne construit pas bien quand la peur nous paralyse ou quand c'est simplement une exhortation, il faut faire ceci, il faut faire cela. On construit bien quand on a des paroles d'encouragement, une parole réconfortante pour bien faire le travail que Dieu nous donne. Je suis avec vous, je suis avec vous, imaginez. Une parole pleine de richesse, de réconfort. Moi, je suis avec vous, dit le Seigneur. C'était suffisant pour éveiller complètement l'esprit du peuple de Dieu et de ses dirigeants. Verset 14. L'Éternel éveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Yehotsadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Après avoir après, après l'esprit éveillé, avoir pardon, avoir l'esprit éveillé signifie être stimulé à faire quelque chose, avoir le cœur courageux, être déterminé à passer à l'action, ça signifie être prêt à travailler au service du Seigneur. Nous avons besoin que le Saint-Esprit, que notre Dieu, éveille notre esprit pour aller à son travail. Dieu éveilla leur esprit et alors ils étaient prêts, ils se sont mis à travailler. Versets 14 et 15. Ils vinrent se mettre à l'œuvre dans la maison de l'Éternel, des armées, leur Dieu, le 24e jour du sixième mois. Si vous faites le calcul, il a fallu 24 jours pour que la réprimande, le commandement et l'encouragement fassent le tour de leur esprit et de leur cœur et produisent un effet puissant qui s'est traduit en action dans leur vie. 24 jours. Ils entendirent la parole de Dieu, le Saint-Esprit éveilla leur esprit et trois semaines plus tard, ils étaient de retour sur le chantier. Ils se sont organisés, se sont remis au travail tous ensemble. Et pour y arriver, Dieu les a encouragés avec une très, très belle parole d'encouragement. Le temple, voyez-vous, signifiait la présence de Dieu. Dieu est parmi nous. C'était le symbole de la présence de Dieu. Mais le Temple n'était pas encore reconstruit, et déjà, Dieu leur disait, Je suis avec vous, même si le Temple n'était pas reconstruit. Alors voyez la grâce, avant même le symbole de la présence de Dieu, la parole garantissant sa présence. Avant de commencer à travailler, Dieu était là. Ce n'est pas leur travail qui a fait que Dieu s'est mis à être là. La grâce ici, dans ce passage. Aujourd'hui, nous n'avons plus de temple à Jérusalem. Nous n'avons plus besoin de ce temple. Un temple fait de main d'homme avec des pierres. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de sacrifice à offrir pour les péchés. Le grand Emmanuel est venu. Jésus-Christ est venu sur terre. Dieu avec nous. Le Fils de Dieu a fait le travail de son Père, un travail de bâtisseur. C'est lui qui a posé le fondement. Dieu ne lui a jamais fait de reproche, aucune réprimande, et Jésus a toujours obéi au commandement de son Père. Zorob, Zorobabel, Josué et tout le peuple ont laissé tomber leur travail pendant un temps. Jésus jamais n'a laissé tomber son travail. Tous les Israélites ont abandonné leur, leur chantier. Le Seigneur Jésus a toujours fait son travail fidèlement, sans relâche, dans la fatigue, dans l'exténuation l'angoisse. Souvent, nous laissons tomber le travail de Dieu. Le Christ, mort pour nos désobéissances, a pleinement, parfaitement accompli son travail. Son sacrifice parfait a été offert sur la croix pour nos péchés, nos péchés de paresse, nos péchés d'indifférence, nos péchés d'apathie. Son obéissance parfaite est mise à notre compte. C'est comme ça qu'il prend plaisir à bâtir son Église. C'est vraiment lui qui bâtit son Église. Et Jésus est encore avec nous aujourd'hui. Nous connaissons sa promesse. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est avec nous par son Esprit pour bâtir sa maison. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, les pierres vivantes, la maison de Dieu. Une maison en construction qui n'est pas terminée encore. Son œuvre n'est pas terminée. Jésus nous l'a promis, je bâtirai mon Église. C'est lui vraiment qui le fait. Il le fait fidèlement, sans relâche, tous les jours, sans jamais abandonner son travail. C'est sa plus grande priorité, c'est sa plus grande joie, c'est sa plus grande gloire. Son Père prend plaisir dans cette construction. C'est la joie de son Père de voir son Fils faire ce travail de construction. Et Jésus nous associe à son travail. Il nous a donné son esprit pour faire de nous sa maison et pour travailler avec lui à sa construction. Le Saint-Esprit alors éveille notre esprit pour nous donner le désir, l'enthousiasme, la force, la capacité, la sagesse de bâtir. Jésus éveille notre esprit pour faire de nous des bâtisseurs, réellement. Son esprit nous fortifie pour nous rendre capables de bâtir sa maison sous sa direction. Alors, bâtissons l'Église. Prenons soin les uns des autres dans l'Église. Préparons nos jeunes pour qu'ils prennent leur place dans l'Église, qu'ils suivent fidèlement le Seigneur. Annonçons la bonne nouvelle de l'Évangile. Aidons les autres personnes à se joindre, à s'incorporer sans relâche, de jour en jour. La parole de Dieu aujourd'hui, maintenant, nous interpelle. Acceptons ses réprimandes. Écoutons ses commandements. Ayons la crainte de Dieu et soyons encouragés par ses paroles d'encouragement. Soyons réconfortés par le travail de, du Seigneur Jésus-Christ sur la croix et par son travail, par son Esprit Saint dans nos vies. Que nos esprits soient éveillés. Levons-nous et bâtissons sa maison. Travaillons avec enthousiasme au service de Dieu. Amen.